Hello! Donc aujourd'hui, on est censé se retrouver pour la surprise. Premier jour de la surprise! Bon, déjà, je vais m'asseoir, ce sera plus simple. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu cacher derrière ce mot surprise pendant une semaine? Bon, j'ai pas de tambour. Donc j'ai décidé de vous faire un teaser de la surprise pour qu'elle commence que la semaine prochaine. Mais j'avoue qu'un teaser, je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans ça. Bon, on va essayer que ça soit dynamique. En gros, l'idée, c'est... Comment expliquer ça? Bon, allez, je m'y remets. Donc, ce que j'ai caché, c'est les questions look. Ok. Mais c'est quoi les questions look? L'idée, c'est que j'ai regardé Hugo sur la chaîne Les Questions Con. Donc n'hésite pas à aller voir parce que juste c'est à mourir de rire. Et ce mec, il me fait trop rire. Ouais d'accord, c'est super bien. Mais honnêtement, qui c'est dans une conversation et qui dit « Eh au fait, tu es au courant qu'un bic écrit 1,5 km ?» Bon, clairement personne. Alors... moi, j'adore cette vidéo parce que ça me fait extrêmement rire et ça répond à des questions que je me suis forcément posées dans la vie, mais c'est pas très très utile, honnêtement. Alors, en regardant ces vidéos, bah, j'ai plein de questions qui me sont venues à l'esprit, mais c'était pas des questions cons. C'était des questions par rapport au look, par rapport à comment s'habiller, comment se maquiller, tel produit, est-ce qu'il marche vraiment, etc. Mais je pouvais pas lui demander. Bah oui, il répond aux questions cons, il répond pas aux questions look. Alors j'ai tapé dans YouTube et malheureusement personne répond aux questions look. Personne. Alors je me suis dit, si personne n'y répond, je vais y répondre. Oula, je me fais casser. Donc j'ai décidé de répondre aux questions look. Mais vous devez vous dire, mais ok d'accord, mais c'est quoi des questions look? Des questions look. Ah ouais, elle est partie loin. Des questions look. Eh bah ouais les gars, des questions look. Alors, vous allez me dire, si je suis la seule, mais qui s'est déjà posé la question, quelle marque de vernis tenait le mieux, par exemple? Pourquoi Essie coûterait plus cher que Sephora? Est-ce que Essie tient vraiment mieux que Sephora? Est-ce que, les filles, vous n'êtes pas déjà posé la question, mais combien de jours dure un mascara? Filles et les garçons, est-ce que vous n'êtes pas déjà posé la question, est-ce que si je m'habille tout en noir, on va avoir l'impression que je vais à un enterrement? Quoi d'autre? Je me suis déjà posé la question, est-ce que l'huile de ricin ça fonctionne vraiment? Je me suis également posé la question, est-ce que si je m'habille en bleu, blanc, rouge, j'aurai l'air d'être patriotique? Alors oui, j'aime la France, mais de là à m'habiller comme le drapeau français, c'est un peu compliqué. C'est des associations de couleurs pour lesquelles on a du mal. Donc si toi aussi tu t'es déjà posé des questions par rapport au look, par rapport à la beauté, par rapport au bien-être, etc. N'hésite pas à me les poser en commentaire, vos questions look. Oui, oui, les vôtres là, là, toi, derrière cet écran. Via le petit questionnaire Google+, que j'ai rempli, enfin que j'ai créé, que tu peux remplir de façon anonyme ou pas, si t'as pas envie que je cite ton nom dans les questions. Et ça me permettra, moi, de remplir, tu vois, ma petite bonbonnière qui est là, où j'ai déjà mis toutes les questions look que moi et mon entourage on s'est déjà posé, car oui j'ai posé la question à mon entourage si ça les intéressait pour pas me sentir seule au monde. Mais voilà, donc n'hésite pas, j'espère que ce petit casier de ma bonbonnière va remplir, exploser de questions look. On répondra à une question look, sérieusement ou non, tous les dimanches ensemble. Donc, comme je viens de le dire, on répondra plus ou moins sérieusement aux questions parce que je ne suis pas professionnelle, je suis ni maquilleuse ni styliste. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'ils font des études dans ça qu'ils ont la science infuse sur les looks. Quand on voit ce que nous pondent certains stylistes, bah moi je me pose des questions.
Du coup, au final, moi je suis une fille normale qui a une vie normale. Je suis un petit peu modèle photo, mais pas trop. C'est pas ça qui va me faire porter des trucs comme ça dans la vie de tous les jours. Et du coup, je trouvais ça rigolo de répondre avec vous à des questions look un petit peu rigolotes. Donc voilà, donc on va piocher sans plus attendre la question look de dimanche prochain. Tadam ! J'ai peur. Alors, comme j'ai expliqué juste avant, petite parenthèse. Donc, j'ouvre la parenthèse. Si c'est des questions qui sont pas réalisables en une semaine, genre combien de jours dure un mascara? Clairement, à part si c'est un mascara de merde, je suis pas sûre qu'il dure toute une semaine. Et ben, ce sera une question qui arrive, enfin que je vais commencer à faire le jour J et qui sera testée au fur et à mesure et qui apparaîtra en vidéo bientôt. Et si c'est une question que je peux réaliser la semaine, on la fera. Voilà. Donc, je ferme les yeux. Oh là là, j'ai peur. Oh loulou. Oh, ok, j'en ai trois ensemble. Bon, je garde le premier. Tadam. Ok, j'ai une semaine pour tester toutes les solutions pour faire sécher un vernis. Et bah, je suis pas dans la merde. Vous avez votre réponse, donc dans une semaine, jour pour jour, nous nous retrouverons. Donc je pense que ça sera tous les dimanches vers 10h. Je vais pas vous faire le coup de le mettre à 18h, genre c'est la fin du week-end. Vous avez attendu tout le week-end que je fasse ma question look. Donc on dira dimanche matin 10h, tapante. Et on aura la réponse à toutes les solutions que moi je connais en tout cas pour faire sécher un vernis. Donc bah, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, sur lequel je bosse depuis un petit mois, et c'est pour ça qu'il y a eu un petit changement sur ma chaîne au niveau du programme. Donc maintenant on est passé à lundi vidéo photo, mardi rien du tout, mercredi vidéo beauté, jeudi rien, vendredi vidéo lifestyle, samedi rien et dimanche question look. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire déjà vos questions look pour que à la prochaine vidéo, ça soit 10 fois plus rempli. Et je vous fais plein de bisous. Et moi, j'ai une semaine pour tester les solutions pour faire sécher les vernis. Go, c'est parti. À bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai demandé à mes super collaborateurs que vous voyez très souvent sur mes shootings et dans mes vidéos de tout simplement m'imiter. Voilà, je pense que c'est les mieux placés pour me parodier et pour vous montrer mes plus gros défauts que j'ai, parce que personne